Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cabaret indé. Cette vidéo est sponsorisée par l'AG French Direct, une conférence vidéo produite par le site Actu Gaming, durant laquelle vous pouvez découvrir chaque année de nombreux jeux indépendants francophones. L'édition du printemps 2024 a eu lieu ce mercredi 29 mai à 18h, et elle vous a proposé de découvrir pendant plus d'une heure et demie une quarantaine de jeux à venir, avec notamment une quinzaine d'avant-premières dans un format de compilation. A cette occasion, de nombreuses démos ont été mises en ligne et sont encore disponibles à l'essai pendant quelques jours. Comme d'habitude, je vous mets les liens de la rediffusion de l'événement ainsi que celui de la page Steam temporaire en description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour voir davantage de jeux que je n'en aborderai dans cette vidéo. De mon côté, je vais vous proposer une compilation relevant une vingtaine de jeux qui m'ont tapé dans l'œil. Et comme d'habitude, si vous voyez des jeux qui vous intéressent, n'oubliez pas de les wishlister pour les soutenir. Après la sortie de Cybos en 2021, un party game avec des extraterrestres, le petit héros du jeu revient dans Cosmic Holidays, un platformer 2D qui va profiter du même style graphique que son prédécesseur. Après avoir remporté le droit de prendre des vacances, l'extraterrestre va partir à l'aventure pour rejoindre son club, ce qui le fera parcourir de jolis environnements en profitant de diverses capacités, telles que planer, rebondir, se propulser ou même absorber les chocs et rouler. On devra alors apprendre comment faire face à la nature hostile et même se servir d'elle. Le jeu n'a pas encore de date de sortie, ce sera d'ailleurs le cas pour l'intégralité des jeux que je vais vous présenter, sauf indication contraire. Actuellement en financement sur Kickstarter, on a également pu découvrir Alzara Radiant Echoes, un JRPG 3D avec des combats au tour par tour, entrecoupés de phases d'exploration et de puzzle. Au travers du monde éponyme, on va devoir apprendre à maîtriser les éléments pour permettre à son équipe de faire face à une force d'invasion. On va ainsi retrouver la présence de magies diverses permettant de déclencher de puissantes attaques élémentaires, tandis que des offrandes permettront de gagner les faveurs de légende pour vaincre les ennemis. Des artistes japonais participent également au jeu, avec notamment Motoi Sakuraba pour la composition musicale, ayant entre autres travaillé sur Golden Sun et Dark Souls parmi beaucoup d'autres choses, ou encore Yoshiro Hambe, si ça se prononce comme ça, chara designer de jeux tels que Trials of Mana ou encore Fire Emblem Heroes. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au financement participatif qui est encore en cours. J'en avais parlé en janvier dans un hebdo lors de l'arrivée de son prologue, Novaverse était présent durant l'événement. Il s'agit d'un jeu mêlant le tactical et le dating sim, dans lequel l'intégralité des célibataires de sa ville natale ont été transformés en super-héros et en super-vilains. Tout en tentant de déterminer les causes de l'apparition de ses pouvoirs, on devra affronter des ennemis venus d'une autre dimension et déclencher des attaques liées aux émotions, parfois sous forme de combos et de pouvoirs débloquables. L'originalité du jeu est donc de permettre de draguer autant ses ennemis que ses alliés, ou encore les civils en générant diverses émotions qui vont impacter les relations et ajouter des combats contextuels. Durant l'événement, on a également pu en apprendre davantage sur le nouveau jeu de Canary Games, à qui l'on doit notamment Lunark. Il s'agit de Castaway, un micro-jeu d'action-aventure n'étant pas sans rappeler les Zelda classiques, en associant l'exploration, les combats, mais aussi les puzzles. L'objectif de la campagne sera de sauver son compagnon Kana en parcourant 3 donjons, au cours desquels on pourra retrouver ses armes dispersées. Mais après ce court mode scénarisé, c'est un mode survivant qui apparaîtra, et qui nous proposera de parcourir une tour de 50 étages avec une difficulté croissante. Le jeu dispose ainsi de plusieurs modes, permettant de ne pas avoir d'ennemis, d'être invincible, ou au contraire d'augmenter la difficulté. Je vous en parlais déjà lors du Stunfest 2019, ça commence à dater. Last Moon a également montré son évolution dans un joli trailer. Il s'agit d'un action RPG, nous faisant explorer un monde en ruine et affronter des créatures corrompues. Le jeu va ainsi nous proposer de jouer en solo comme en coopération locale et d'améliorer ses pouvoirs au travers de ses armes et de ses compétences, tandis qu'un système de maîtrise d'armes viendra renforcer celle-ci. Une trentaine de runes pourront également être trouvées et utilisées pour créer une stratégie de jeu et s'adapter aux situations rencontrées. Le jeu devrait arriver en 2025. Nouveau jeu des créateurs de Ship of Fools, Don't Kill Them All est un tactical case par case et tour par tour, mêlé à de la gestion, dans lequel on va devoir créer un clan d'orques. L'originalité du jeu sera de faire en sorte que les créatures apprennent à développer leur pleine conscience, notamment en maîtrisant leurs émotions et en encourageant des relations saines. Aux commandes d'une coach de vie auto-proclamée, on va alors devoir faire le nécessaire pour qu'ils se défendent lorsque nécessaire, sans au passage détruire les ressources ou créatures qu'ils devront ramener au village. Du côté de la création de camps, on pourra ainsi bâtir des structures pour développer des passe-temps, que ce soit le yoga, la pâtisserie ou encore élever des animaux.
Une variété de lieux offriront des ressources, on devra donc planifier ces expéditions dans des biomes à l'agencement généré procéduralement. Lifelong est un jeu d'exploration et d'énigmes à la première personne en noir et blanc, nous faisant incarner l'employé d'une entreprise aux locaux surréalistes. Dans cet univers absurde, critiquant le salariat contemporain, on pourra diriger un employé esclave se retrouvant du jour au lendemain l'heureux possesseur, par erreur, d'une télécommande au grand pouvoir qui va lui permettre de s'échapper. Celle-ci permettra en effet de résoudre des énigmes, notamment en manipulant ses collègues à tête de télévision. Durant l'événement, on a également pu découvrir le nouveau jeu des développeurs de Overhaul, le Sudoku Rogue. Il s'appelle Avant the Half-World et c'est un shoot'em up rogue en vue de derrière dans lequel on va devoir aider son personnage à faire face au vent et ainsi pouvoir remonter des îles une par une. On devra alors résister à une opposition musclée, ce qui demandera d'esquiver les tirs mais aussi d'en renvoyer. Progressivement, on pourra néanmoins collecter des artefacts pour se renforcer. À chacune des expéditions, on profitera également de connaissances acquises qui permettront de découvrir des îles alors inexplorées. On continue avec Caravan Sandwich, un jeu d'aventure qui va nous faire incarner une jeune femme se déplaçant dans son van dans le désert, de communauté en communauté pour tenter de retrouver sa sœur disparue. Le jeu va alors mêler de la narration et de l'aventure dans un monde de science-fiction qui dévoilera son intrigue non linéaire au fil de l'exploration, tandis qu'on trouvera également de la résolution d'énigmes et de l'interaction avec certains personnages, lesquels nous donneront quelques quêtes pour les aider. Le jeu ne possède aucun combat, pas plus qu'un système de mort ou de chronomètre, et nous permettra ainsi de vivre l'aventure à notre rythme. Créé par le studio ayant développé Désordre, A Silent Desolation est un jeu de survie en monde ouvert dans lequel on va devoir tenter de s'échapper de la Terre plusieurs siècles après la disparition de l'humanité. Tout en faisant face à de nombreux dangers, on va ainsi parcourir celle-ci pour trouver des ressources, avec pour objectif ultime de restaurer une base de lancement de navettes, ce qui permettra de fuir la planète. La survie reposera notamment sur la gestion de ces ressources, comme l'oxygène et l'énergie, et nécessitera de piller les environnements afin de se créer de quoi progresser. On devra donc planifier ses actions, notamment pour s'adapter aux anomalies et dangers invisibles présents. Dustborne est un jeu d'action-aventure à forte dimension narrative, nous faisant incarner une exilée transformant les mots en armes. Embauchée pour transporter un colis à travers la République américaine, elle va devoir rassembler un groupe dont chacun des membres possédera des pouvoirs pour entamer le voyage. On pourra alors découvrir les paysages d'une Amérique uchronique, tandis qu'on s'arrêtera dans une douzaine de lieux pour gérer ses relations, remplir des missions ou encore faire face à des épreuves musclées. Les mots auront de véritables pouvoirs à utiliser lors des combats ou encore lors des conversations pour manipuler les interlocuteurs, quand on ne rencontrera pas des personnages haut en couleur ou qu'on ne recrutera pas de nouveaux alliés. Le jeu a une date de sortie, ce sera le 20 août 2024. Nouveau jeu du studio derrière le joli Tandem A Tale of Shadows, Paris Belle Époque est un jeu d'action en 2,5D alliant puzzle et infiltration. On y incarnera une scientifique ayant créé par erreur une formule chimique meurtrière qui devra fuir la police à ses trousses tandis qu'elle deviendra l'ennemi public numéro 1. Chacun des citoyens pourra alors la dénoncer, ce qui nécessitera de faire preuve de discrétion lors des déplacements. Heureusement, elle sera accompagnée par son rat de compagnie qui pourra l'aider au travers de puzzles, en en prenant le contrôle afin de voir le monde d'une autre perspective. Mais la police apparaîtra à chacune des erreurs faites face aux épreuves de discrétion, ce qui forcera à prendre ses jambes à son cou pour s'en éloigner. Nouveau jeu du studio ayant créé Astria Ascending, Lost Elden est un JRPG proposant des environnements 3D aux allures de peinture, agrémentés d'effets de lumière et de météo. On y suivra les aventures d'un groupe de 8 personnages au travers d'une histoire mature, dans laquelle les 7 péchés capitaux guideront leur destinée. Le jeu prend place dans un monde où les enfants, dès leur première année, sont liés avec un des péchés capitaux, avec lequel ils devront lutter toute leur vie. Ceux qui réussiront trouveront à leur mort la terre sacrée, tandis que ceux qui ont échoué subiront pire que la mort. Le jeu est prévu pour 2025.
Après Dead Cells, Motion Twin est revenu avec Windblown, un jeu d'action rogue dans lequel on va devoir défendre son île du Vortex et de ses émissaires qui menacent d'avaler sa civilisation. Le jeu nous promet des combats particulièrement dynamiques sur des îles volantes changeantes renfermant de nombreux secrets. On pourra notamment alterner entre plusieurs armes et adapter ses builds aux situations rencontrées, tandis que débloquer des souvenirs venant des guerriers tombés permettra d'accéder à des armes plus puissantes. Le jeu devrait arriver cette année en accès anticipé. Nouveau jeu du créateur de Pumpkin Jack, Akimbot est un jeu d'action plateforme 3D. Nous faisons suivre les aventures d'un robot hors la loi et d'un petit compagnon de fortune, tandis qu'ils détruisent des armées de robots. Dans un monde de science-fiction peuplé de ceux-ci, on parcourra des environnements colorés à travers la galaxie, dans lesquels bondir, dasher et utiliser un grappin, quand on n'affrontera pas ses ennemis à l'aide d'une variété d'armes et de véhicules. Le jeu devrait arriver cette année. Pour les jeux qui viennent, je vous ai choisi des jeux qui ont notamment des démos disponibles que vous pouvez essayer. Pour rappel, vous avez le lien en description. Le premier d'entre eux, c'est Claude Valley, un jeu inspiré par l'ambiance de A Short Hike. Il s'agit donc d'un jeu d'exploration plateforme nous faisant parcourir l'archipel éponyme à son rythme. Qu'on plonge dans les profondeurs de la mer bleue ou qu'on préfère grimper dans les hauteurs, on pourra y trouver des trésors. Le jeu nous propose ainsi de courir, de nager et de grimper à la découverte des lieux, de rencontrer les habitants, de pêcher, de collectionner des chapeaux, ou même de ramasser les déchets trouvés sur fond de musique calme. Autre démo disponible, c'est Forgotten Mines, un RPG tactique case par case aux éléments de rogue, dans lequel on va incarner des nains tentant de reprendre leurs mines tombées aux mains des gobelins, orques et autres squelettes. On devra alors créer une équipe pour partir en expédition et reprendre progressivement chaque étage des lieux en un nombre de tours limité. Ce sont alors plus de 50 types d'ennemis et de boss auxquels il faudra faire face en s'adaptant grâce à la personnalisation de ses personnages, que l'on parle des classes habituelles de ce genre de jeu ou des équipements variés. Les équipements pourront par ailleurs être échangés contre des attributs et des bonus particuliers pour ses combattants, renforçant ainsi son équipe. Le jeu arrivera le 23 juillet 2024. Une des démos à ne absolument pas manquer, c'est The Operator, un jeu d'enquête qui nous place aux commandes d'un opérateur derrière son écran, qui va devoir aider des agents de terrain à élucider des crimes étranges. Grâce aux divers logiciels accessibles, on devra ainsi trouver des indices et résoudre des énigmes pour découvrir la vérité. Des meurtres aux disparitions, en passant par les cyberattaques, toutes sortes d'événements seront en toile de fond, tandis qu'on parcourra des dossiers comportant des textes, images, vidéos et fichiers audio, autant que des bases de données, permettant d'effectuer des connexions entre les informations à disposition et des contradictions. Bref, si vous aimez les jeux de réflexion qui ressemblent un petit peu à du Obradine mélangé avec du Her Story, c'est clairement un jeu à ne pas manquer. Il arrivera au troisième trimestre 2024. Cette année, on a pu retrouver Broken Lands, un jeu d'observation 2D qui va nous demander de comparer des environnements au travers de ses deux yeux, dont l'un est malheureusement abîmé. Celui-ci créera ainsi des différences dans les écrans observés qu'il faudra relever, comme dans un jeu des 7 erreurs, mais avec la possibilité de zoomer dans les environnements. Dans une ambiance calme, on parcourra ainsi plusieurs scènes, permettant progressivement de découvrir l'avantage sur l'histoire de notre petit robot. Le jeu a maintenant une date de sortie, ce sera le 22 juillet 2024. Project Tower est un jeu de tir à la troisième personne, se déroulant dans un monde de science-fiction où les derniers humains sont les prisonniers d'une espèce alien. Aux commandes de l'un d'eux, on va devoir tenter de s'échapper en parcourant les étages d'une tour afin de gagner sa liberté. Pour se défendre, on disposera heureusement d'armes à feu et d'une arme de corps à corps, mais aussi de la capacité de se métamorphoser en créatures, lesquelles viendront avec des capacités comme celle de planer. En cours de route, les étages de la tour nous opposeront également à des énigmes complexes et offriront davantage d'opportunités à mesure qu'on obtiendra des armes et des compétences supplémentaires. Le jeu est prévu pour le troisième trimestre 2024. Randomize est un Metroid-like dont la particularité est de ne proposer aucun combat et de rendre aléatoire la récupération de pouvoirs. L'action se déroule dans une maison et nous place aux commandes d'une souris qui va devoir tenter de progresser avec les capacités qu'elle trouvera.
mais à chaque partie, ce ne sont pas les mêmes objets qui seront au même endroit, ce qui nécessitera de déterminer quelles routes seront alors empruntables avec les objets à notre disposition. Ainsi, on trouvera les mêmes objets, mais toujours dans un ordre différent, ce qui nécessitera de gérer mentalement la carte des lieux accessibles. Le jeu est prévu pour cette année. The Signal est un jeu de survie qui sera jouable en solo comme en multi en ligne, dans lequel un groupe de personnages arrivera sur une planète lointaine afin de déterminer si elle est vivable. On devra alors analyser les formes de vie intrigantes, les artefacts et autres phénomènes, qu'il s'agisse de plantes, de faune ou de géologie, pour comprendre son environnement et potentiellement en tirer profit. Au travers des biomes plus ou moins dangereux, il faudra se préparer à toutes les éventualités, en créant des mécanismes variés, des véhicules pour fuir, au pont pour traverser les canyons, en passant par des rampes de lancement pour propulser dans les airs des créatures qui seraient trop agressives. L'inventivité et la curiosité seront ainsi les clés de la survie. Alors contrairement au jeu précédemment cité, The Signal n'a pas de démo, mais vous pouvez néanmoins participer à son playtest. De retour dans cette édition de l'AG French Direct, on a eu à nouveau Decline's Drop, un jeu de plateforme 2D qui nous met aux commandes d'un pantin qui va tenter de défendre son jardin en péril. Avec une dimension de brawler, notre personnage va ainsi pouvoir se battre et effectuer des combos permettant d'éjecter les ennemis qui auraient la mauvaise idée de se mettre sur notre route. Au fil des 6 mondes à parcourir, on pourra ainsi trouver une variété de collectables pour lesquels il faudra parfois ruser pour les atteindre. Chacun des niveaux a en effet été créé à la main et nous proposera une ribambelle de secrets, lesquels permettront même d'accéder à des niveaux bonus ou d'obtenir de nouveaux personnages à incarner. Le jeu a à présent une date de sortie, ce sera le 10 octobre 2024. Allez, on approche de la fin avec deux derniers jeux. Le premier d'entre eux, c'est Big Helmet Heroes, un beat'em all 3D qui se joue en solo comme en duo local, dans lequel de petits chevaliers vont devoir traverser des royaumes fantastiques pour aller secourir la princesse kidnappée. 4 styles de combat permettront d'adapter son panel d'attaque, du classique guerrier à la brute, en passant par l'assassin et le moine, possédant chacun un pouvoir ultime pour éliminer les ennemis récalcitrants. Avec ses jolis graphismes, le jeu rappelle un petit peu une sorte de Castle Crasher mis au goût du jour. Et on termine avec le nouveau jeu du studio qui nous avait fait Hacktag. Il s'agit de Dark Hours, un survival horror en vue à la première personne, avec une dimension coopérative de 2 à 4 joueurs. On va y prendre les commandes de cambrioleurs qui se retrouvent bloqués dans un bâtiment par un événement surnaturel, tandis qu'ils étaient en pleine action. Le plan changera alors radicalement, l'objectif sera maintenant de sortir des lieux vivants ou d'attendre l'aube. Il faudra donc explorer les lieux, résoudre des mini-jeux en coopération, trouver comment désactiver des pièges tels que des lasers ou des caméras, et malgré tout parvenir à récolter un petit butin pour ne pas être venu et avoir survécu pour rien. Malheureusement, plus les poches seront pleines et plus bruyant chaque voleur sera, ce qui pourra attirer plus facilement le monstre les pourchassant. Pour s'aider dans la tâche, une variété d'équipements sera à disposition, du set de crochetage à l'appareil de hacking, sans oublier sa fidèle lampe torche ou encore le puissant pied de biche. Mais le temps est compté, plus la nuit avance et plus la créature sera agressive. Plusieurs types de lieux pourront être parcourus, chacun généré procéduralement à chacune des parties, avec en plus 3 niveaux de difficulté au choix. Voilà pour ma petite sélection d'une vingtaine de jeux qui étaient présents pendant l'AG French Direct. N'oubliez pas qu'il y a le double de jeux à découvrir en allant voir directement la rediffusion de l'événement, vous avez le lien en description. Et pour tous les jeux cités à partir de Cloudy Valley, vous avez une démo qui est disponible pendant quelques jours. Vous avez les liens en description, sachant que ici encore, vous avez plus de démos que ce que j'ai pu vous citer. Merci à l'AG French Direct d'avoir sponsorisé cette vidéo de présentation. J'espère que vous aurez pu découvrir plein de jeux. De mon côté, j'ai adoré l'événement, notamment parce qu'on découvre plein de nouveaux jeux de studios qu'on connaissait déjà. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.